Bonsoir, chers téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver ce soir dans le cadre de ce nouveau numéro de votre émission Relecture. Il y a quelques semaines, nous avions parlé du cursus d'un grand personnage dans ce pays, à la personne de Étienne Tshisekedi wa Mulumba. C'était à l'occasion de la deuxième anniversaire de sa disparition. Et c'est sur votre demande de savoir un peu plus sur la personne de Étienne Tshisekedi. Vous avez formulé beaucoup de demandes et c'est pourquoi aujourd'hui, nous rappelons encore notre invité Marcel Mumba pour qu'il nous parle un peu davantage. C'est vrai, il n'est pas facile, impossible d'ailleurs, de brosser le cursus d'un personnage comme Étienne Tshisekedi au cours d'une émission, même pas au cours d'un documentaire. Bonsoir, monsieur Marcel Mumba. Bonsoir. Une fois encore de plus, bienvenue à notre émission pour répondre à la demande des téléspectateurs. Nous avons parlé d'Étienne Tshisekedi, mais beaucoup de gens se sont posé la question depuis quand Marcel Mumba est à l'UDPS, parce qu'il maîtrise certaines choses plus que ceux-là qui sont depuis des années à l'UDPS. Est-ce que vous êtes de l'UDPS? Merci beaucoup pour la question. D'emblée, je dirais que je ne suis pas de l'UDPS, mais je suis observateur de la société civile congolaise. En tant que sociologue, en tant que chercheur, puisque j'ai fait ma thèse à l'université de Kinshasa, et comme je suis chercheur en sociologie politique, c'est pourquoi je présente ça. Donc, vous n'êtes pas de l'UDPS. Bon, nous avons parlé de Étienne Tshisekedi, du moins de son cursus depuis 60 jusqu'à une certaine période. Mais aujourd'hui, nous aimerions parler de lui ces deux dernières décennies, précisément à partir de 90, avec la conférence nationale souveraine qui était intervenue, je crois, en 91. Parler le grand moment ou le grand fait politique de Étienne Tshisekedi ou Amulumba. Parlez-nous un peu du rôle joué, d'abord le contexte, et le rôle joué par Étienne Tshisekedi dans cette grande rencontre qui est la conférence nationale souveraine. Merci beaucoup. D'emblée, je dirais que c'est Étienne Tshisekedi qui est à la base même de l'organisation de la conférence nationale souveraine. C'est l'acteur principal à la conférence nationale. Pourquoi? Puisque jusqu'à l'organisation de la conférence nationale souveraine, le parti qui était connu, à part le MPR, parti cher à Mobutu, c'était l'UDPS qui était connu. L'UDPS a lutté pendant que le MPR existait. Et l'UDPS demandait toujours qu'il y ait le multipartisme en RDC, qu'il y ait la démocratie en RDC, qu'il y ait le respect des droits de l'homme en RDC, qu'il y ait même l'organisation des mutuelles selon les principes de la démocratie. C'est le seul parti. Et comme il avait déjà ces plans-là, c'est comme ça que j'ai dit qu'il était l'acteur principal à la conférence nationale souveraine. Bon, quelle est la touche qu'on peut ressortir comme inaction de Tshisekedi à la conférence? La grande touche, c'est quand il était nommé Premier ministre à la conférence nationale. Puisqu'avant la conférence, il était nommé Premier ministre et ça ratait toujours. Puisque ceux qui étaient au pouvoir n'étaient pas dans la ligne qu'il avait tracée pour arriver à la démocratie. Et c'est comme ça qu'on a conçu la conférence nationale pour qu'on donne la démocratie au peuple congolais. Donc c'est lui qui a tracé cette voie-là. Voilà la touche qu'il a fait à ce moment-là. Oui, parce que vous avez parlé de ça, de son élection d'abord à la conférence et de sa nomination avant la conférence. Mais pendant cette période, nous avons connu des nominations, environ une quinzaine de nominations de premier ministre pendant cette période de 90 à 97. Et lui-même, Étienne Tshisekedi, il y a environ 5 ordonnances signées à sa faveur comme premier ministre. Mais il ne travaillait presque, donc il n'a pas travaillé, disons-le. Qu'est-ce qui n'allait pas avec Mobutu? Oui, merci pour la question. Ce qui ne marchait pas, c'est puisque comme le régime de Mobutu était un régime dictatorial, on cherchait à le mettre derrière les MPR. Et lui avait vu que
on cherche à ce que j'agisse comme les gens qui sont au sein du MPR. Et c'est comme ça que ça ne marchait pas. De deux, le MPR ne voulait pas changer de Kazakh. Le MPR voulait continuer avec son système. Et Tshisekedi, clairvoyant, il ne pouvait pas accepter ça. Tous ceux qui étaient dans le MPR ne savent pas que Tshisekedi était parmi ceux qui ont rédigé même le manifeste de l'Ancelé. Il était le premier. Il connaît pourquoi on avait créé un seul parti politique. Puisque avec le temps, on devrait créer plusieurs partis politiques, au moins deux. Mais quand il a vu que le président Mobutu ne voulait pas arriver au multipartisme, il s'est retiré de lui. Voilà pourquoi il avait fait ça. Lorsque vous prenez quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose et un autre qui a compris, vous les mettez ensemble, ils ne vont pas s'entendre. La même chose, si vous prenez quelqu'un qui fait les droits, c'est un exemple que je donne, et vous prenez quelqu'un qui n'a pas fait les droits, ils ne vont pas s'entendre. C'est la même chose entre Mobutu et Tshisekedi. Tshisekedi était démocrate, Mobutu n'était pas démocrate. Tshisekedi était partisan des droits de l'homme, partisan de la démocratie, partisan d'organisation des élections libres et démocrates. Mobutu n'était pas ça. Ça ne pouvait pas marcher. C'était deux mondes différents. Alors, face à cette difficulté, mais quand il a l'élimination, il acceptait quand même. Il fallait refuser. Pourquoi il acceptait qu'il soit nommé au moment où il sait qu'il ne va pas se faire? Oui, vous avez raison, mais il acceptait ça pour montrer sa volonté de servir la nation. C'est un citoyen, c'est un monsieur de ce pays. Mais quand on vous demande par la nation, aider les pays, vous devrez l'aider. C'est comme ça qu'il est parti accepter. Mais malheureusement, ceux qui l'ont mis là-bas ne voulaient pas de ce qu'ils voulaient faire, remettre la République, qu'on appelle la République démocratique du Congo, comme une république réellement démocratique. On voulait qu'on rentre dans les systèmes dictatorial. Mais écoutez, c'est un juriste. Étienne Tshisekedi et Mobutu, les gens disent, ils firent de grands amis. Il y avait des affinités, à tel point que même dans certaines relations familiales, soit Étienne Tshisekedi intervenait, soit Mobutu intervenait dans la famille de Tshisekedi. Je crois que ceux qui disent ça ne connaissent pas Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, c'est un partisan de la démocratie. Depuis, ça, c'est un démocrate né. Mais il était dans un milieu, comme je l'avais dit, des gens qui ne savaient pas comment on fait la démocratie, comment on fait les élections démocratiques. Et je vais vous rappeler quelque chose. Vers les années, au moment où Mobutu a pris le pouvoir, toute l'Afrique vivait au rythme des partis uniques. Ils ne voulaient pas la démocratie. Et il y a même un Camerounais qui disait que quand vous contredisez les chefs, ce n'est pas bien. La malédiction arrive. Vous voyez? Et quand vous contredisez les chefs, c'est-à-dire qu'il n'est pas chef. Tout ce que les chefs disent, oui, vous les défiez. Et c'est comme ça qu'on tuait les gens à cette époque-là. Mais pour Étienne, il avait même dit: le pouvoir traditionnel est différent du pouvoir de l'État. Le pouvoir moderne, le pouvoir démocratique, la République, c'est différent d'une monarchie, d'un pouvoir traditionnel. C'est ce qui a empêché Étienne Tshisekedi d'exprimer ses ambitions présidentielles sous Mobutu. Il ne l'a jamais fait. Mais ou même annoncer sa candidature, il ne l'a jamais fait. C'est ça. Qu'est-ce que signifie cette attitude? Il avait raison, puisque on était dans le monopartisme. Le monopartisme signifie que le chef est toujours chef. On ne le remplace pas de son vivant. Quand vous voulez le remplacer de son vivant, vous cherchez sa mort. Mais il fallait amener ce chef-là vers la démocratie, à comprendre la démocratie, à comprendre qu'il n'est pas le seul pour les pays. Voilà pourquoi il avait pris cette attitude-là. Mais ses amis, ou même le gouvernement qui
qui l'ont précédé ou le gouvernement qui l'ont succédé, souvent, ils s'étaient toujours opposés à Étienne Tshisekedi. Oui, pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient derrière Mobutu craignaient la mort. Ils craignaient d'être tués. Mais Étienne disait, quand on cherche quelque chose, on doit dire la vérité. Et il disait toujours la vérité. Et Mobutu savait que ce monsieur, je le connais depuis son enfance, je le connais depuis que nous sommes avec lui. Lui, c'est la démocratie. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Mobutu le savait. Il était victime, disons, je dirais, un visionnaire incompris ou victime de, sa, de son intransigeance. Non, il était devant des gens qui ne voulaient pas de la démocratie. C'est ça le problème. Mobutu ne voulait pas la démocratie. Il était le chef jusqu'il avait dit 100 ans Tomotombeli. Donc c'est la dictature. C'est un problème de dictature. Monsieur Marcel Mumba, 97, 96 déjà, la tempête souffle à l'est. C'est l'AFDEL qui annonce son arrivée. Et Étienne Tshisekedi attendait l'AFDEL de la bras ouverts. Et lorsque son compatriote Laurent Désiré Kabila était en route, Tshisekedi disait, je suis là, j'attends mon frère. Mais à l'arrivée, il s'est encore opposé à Tshisekedi. Qui est le problème, Tshisekedi ou Laurent Désiré Kabila? C'est Laurent Désiré Kabila qui est le problème. Puisque c'est la photocopie conforme de la dictature de Mobutu. Imaginez-vous, Étienne Tshisekedi se présente chez Kabila. Je vais voir mon frère. N'oubliez pas ça. Je vais voir mon frère. Il arrive. Laurent refuse. Laurent avait refusé. Quand il a dit, mais donnez-nous la facture de la guerre, comme ça on se prépare pour payer cette guerre. Il dit, de quoi tu te mêles? Ça c'est Laurent. De quoi tu te mêles? Mais Étienne est rentré. Après, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est sa mort. Puisqu'il avait pris des fonds à l'extérieur pour faire la guerre. Je vous informe, tous les pays membres de SADC avaient contribué à cette guerre, d'une manière ou d'une autre. Il y a eu des pays qui donnaient des carburants pour les véhicules qui devraient faire la guerre. D'autres donnaient des munitions. D'autres donnaient des hommes. Mais les hommes qui mouraient, les troupes qui tombaient au front de ces pays-là, notre pays devrait payer. Vous voyez? C'est pourquoi il a dit, donnez-moi la facture de la guerre. Il y a eu des pays qui donnaient la nourriture aux militaires. Donnez-nous la facture, on se prépare pour payer ça. Quand Laurent a refusé, il a dit, ça ne vous concerne pas. Il a tourné le dos à Laurent Désiré Kabila. Voilà, s'envolons pour San City. Encore un grand rendez-vous historique dans notre pays. Tshisekedi participe à la conférence de San City. Ils obtiennent l'accord global et inclusif. Après un accord de cascade, il s'oppose à cet accord pour obtenir l'accord global et inclusif. Et à la fin, on lui refuse les postes qui, en tout cas, lui revenaient du droit en tant qu'opposition non armée, roulés dans la farine. Monsieur Marcel, vous pouvez nous dire les non-dits de ces détours, de cette façon de remercier Tshisekedi, s'il faut dire en ces termes. Je vais prendre la théorie de Karl Marx. Hein? La méthode qu'il avait utilisée, on appelait ça la théorie de la connexion universelle des choses. La guerre a été préparée, la guerre de Laurent Désiré Kabila a été préparée par la communauté internationale. Les États-Unis, la France, la Belgique, tous ces gens-là. Mais du fait que nous étions liés avec la communauté internationale qui voulait exploiter les minerais de notre pays, nous étions liés, nous étions comme des esclaves. Étienne ne pouvait pas accepter ça. Étienne ne pouvait pas être même accepté à ces dialogues-là, malgré qu'il a fait un combat dur
pour libérer le peuple congolais dans ces dialogues-là. On ne l'a pas compris. Mais c'est la communauté internationale qui dirigeait les affaires. Jusqu'aujourd'hui, la MONUSCO est là. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes sous la coupe de la communauté internationale, y compris les SADC. Ce sont ces gens-là qui ont créé les fous artistiques pour qu'on puisse sortir de ces bourbiers-là. Donc, Étienne était dans ces... C'est le seul qui est sorti de là. Nous étions connectés à la communauté internationale. C'est la communauté internationale qui prenait des décisions. Ce n'était pas les Congolais qui prenaient. Ceux qui étaient là, tous ceux qui étaient les vice-présidents, les présidents, c'était des valets de la communauté internationale qui cherchaient à prendre les minerais, profiter de ces gens-là pour piller le pays. Et c'est ce qui s'est passé. Monsieur Marcel Mumba, il rate la vice-présidence. Nous partons au référendum. Il boycotte le référendum. Nous partons aux élections de 2011. Il participe, il perd les élections, il revendique la victoire, il revendique le... Il prête serment dans sa chambre, il cherche l'impérium sans succès, mais il accepte tout de même de dialoguer avec Joseph Kabila, auquel il contestait sa légitimité jusqu'à sa mort. Comment peut-on comprendre cette attitude de Étienne Tshisekedi? D'abord, j'ai dit que quand vous dansez avec un aveugle, il faut le piétiner pour qu'il sache que je suis en train de danser avec quelqu'un sur les pistes. C'est ce qu'il faisait. Il devrait comprendre qu'il y a un démocrate à côté de moi. Je ne sais pas si vous comprenez. De deux, je viens de vous dire que tous les acteurs politiques à cette époque-là étaient drainés par la communauté internationale. Vous avez la Banque mondiale, la FMI, les institutions de Bretton Woods d'une façon générale. Vous avez les États, la France, les États-Unis, de tous ces États-là, étaient venus comme des voleurs. Ils avaient vu déjà les minéraux, ils avaient vu la richesse de la RDC, ils cherchaient ça. Maintenant, nos hommes politiques étaient affaiblis, ils étaient impuissants. Il n'y avait que Tshisekedi qui était puissant. Qui était puissant. Mais malheureusement, il était seul. Ce qui a affaibli sa puissance. C'est ce qui a affaibli sa puissance. C'est comme si vous prenez une graine, vous mettez dans l'eau, vous n'avez rien fait. Ou vous prenez le sel, vous mettez dans l'eau. Ça ne va pas saler toute la rivière. Et c'était ça. Reconnaissons quand même que Tshisekedi n'a pas échappé aussi à la forte personnalisation de son leadership, comme Mobutu le faisait. Et on dirait même qu'il est Mobutu de l'opposition. Moi, je compare Tshisekedi à Mandela. Et il est même plus que Mandela. Oui, oui, je vais vous montrer. Tshisekedi n'a pas pris des armes pour faire la lutte. Tshisekedi a fait la lutte avec sa langue, avec la parole, et il est arrivé à réussir avec sa langue, avec sa parole. Vous savez, il disait que vous ne pouvez pas prendre les armes, vous entrez dans la maison de ton père, de ta mère, vous tuez ton père, vous tuez votre maman, et vous dites, j'ai pris la richesse du pays, de la maison. Qui peut avoir confiance avec vous? Tshisekedi n'a pas fait ça. Tshisekedi n'a pas pris les armes. Tshisekedi ne voulait pas voir le sang de son peuple couler. Il dit le peuple d'abord, puisque c'est le mot d'ordre qu'il a donné. Oui, oui, c'est pour jeter la lumière sur ça. Le peuple d'abord signifie quoi? La politique distributive, la justice distributive envers le peuple. Vous voyez? Il avait déjà ça en tête. Mais je vais vous dire que c'était un envoyé de Dieu qui n'a pas été compris quand il faisait cela. C'est pourquoi je disais un visionnaire est compris. Oui, vous avez tapé juste. Monsieur Marcel Mumba, avant de prendre les éléments de l'actualité et ce qu'on peut faire de ces personnages politiques, parlons un peu de ce dernier moment de la vie, de ses actions politiques.
et particulièrement la SENCO, bon, pas les accords de la SENCO, commençons d'abord par la cité de l'Union africaine. Pourquoi il avait refusé de prendre part à ce dialogue? Pourtant, c'est lui qui l'avait revendiqué. Et il avait aussi exigé qu'il y ait la médiation internationale. Et la communauté internationale l'a suivi, a nommé Eden Kodjo. Mais Tshisekedi refuse de participer, prétextant que non, Kodjo est kabilisé. Avant d'arriver là, je voulais vous dire que pendant le régime de Mobutu, Mobutu a fait la zaïrianisation. Il a fait beaucoup de choses que Tshisekedi ne voulait pas. Il a répondu quand on lui a donné des entreprises zaïrianisées que c'est une dévalisation de l'économie nationale. Il a refusé de prendre, il a laissé ça, ça pourrissait. Il dit je ne peux pas faire le saccage de l'économie du pays. Vous voyez, il avait son chemin pour arriver à la démocratie. Maintenant, je reviens sur ce que vous avez posé comme question. Je dirais que quand on a fait le plan pour arriver à un dialogue pour qu'on résout le problème de la RDC, le même problème posé lors du dialogue de l'Afrique du Sud, de Sun City, se sont posés encore. Il y a eu des gens qui étaient venus pour manger, pour être derrière ceux qui devraient voler, pour qu'ils puissent abréver quelque chose. Mais Étienne avait vu ça. C'est comme ça qu'il s'est retiré. C'est un monsieur qui est sorti de cette situation sain et sauf. Il ne pouvait pas. C'est comme si vous demandez s'il peut marcher avec, par exemple, les gens qui sont des voleurs. Il a dit non, moi je ne suis pas de cette classe-là. Je suis d'une autre classe, la classe des démocrates. Il a refusé. Mais il accepte de se mettre autour d'une table avec le même Kabila sous les auspices de la SENCO. Il a trouvé dans les évêques la pureté, la sainteté. Quelle confiance, quel est le degré de confiance qu'il a fait aux évêques pour qu'enfin ils participent à cette conférence? Oui, merci de la question. La démarche qu'il avait entreprise, c'était de faire comprendre au président de la République qu'il faut arriver toujours à la démocratie. C'est la démocratie qui peut sauver le pays, qui peut le sauver et qui peut sauver même Tshisekedi lui-même. C'est comme ça qu'il a dit, mais si je me retire de ces gens, nous allons rester toujours cloisonnés. Il faut toujours les bouger. C'est comme ça qu'il est parti les bouger. Il a dit non, partons à la conférence, c'est-à-dire au dialogue, pour qu'on résout ces problèmes. Et je crois que la démarche qu'il avait entamée, c'était une bonne démarche. Dans la maison, dans la famille, quand vous voyez quelqu'un qui ne change pas, au fur et à mesure qu'on lui répète dans son oreille que voilà, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. À un certain moment, la personne va accepter. Aujourd'hui, je crois qu'on a accepté ça. Nous tendons lentement et sûrement à la fin de notre émission. Étienne Tshisekedi obtient le poste de président du CENSA à titre personnel, c'est-à-dire lui l'individu. Et au moment où, j'imagine, il se préparait pour venir exercer ses fonctions comme président du CENSA, Tshisekedi rendra l'âme sans pour autant exercer cette fonction. Ça peut signifier quoi? Comme l'action de Moïse, il amène le peuple arrivé à la porte de la terre promise, il n'entre pas. Une déception ou un destin? Merci beaucoup de la question. Moi, je crois que Étienne Tshisekedi, c'est un envoyé de Dieu au peuple congolais. C'est un don que Dieu a donné au peuple congolais. Ça, je vous l'ai dit. Imaginez-vous tous les coups que Tshisekedi a eu des services de sécurité de Mobutu. Tout ce qu'on a fait de lui, l'a envoyé dans des îles où il y avait des serpents qui roulaient autour de lui. C'est comme quelqu'un qui recevait des coups sur sa tête. Dieu l'a rappelé. Mais ce que je peux vous dire est que Tshisekedi s'est trouvé dans l'agenda et dans les programmes de Dieu. Ce qu'il a fait, c'est une leçon qu'il a donnée au peuple congolais.
qu'aucun homme politique n'a donné au peuple congolais. Étienne Tshisekedi est arrivé avec ce qu'il a fait, à donner ce slogan-là. Et je crois que les slogans-là se croisent avec les slogans de Lumumba. Lumumba lui parlait de mon peuple et de ma patrie. Lui parlait de la patrie. Tshisekedi parle du peuple. Ils se croisent, puisqu'il était, je vous avais dit auparavant, qu'il était conseiller dans les MNC. MLC plutôt. Et du fait de faire son passage dans les MLC, MNC, Lumumba, oui, les deux se confondent un peu là. Il a eu la quintessence de ce que Lumumba voulait faire. Les deux sont comme pile et face. L'autre parle de la patrie, l'autre parle du peuple. Et plus tard, il va dire le peuple d'abord. C'est-à-dire, quand on dit le peuple d'abord, ça signifie quoi? C'est quoi? Une idéologie ou une vision politique? C'est la justice distributive. Un simple slogan. C'est la justice distributive. Quand vous avez quelque chose, songe au peuple. Vous appartenez à ce peuple-là, revenez à ce peuple-là. C'est la justice distributive. Contrairement, ça signifie encore le peuple avant tout. Tous les hommes politiques qui travaillent, travaillent pour le peuple. Là où il n'y a pas le peuple, il n'y a pas un pays. C'est pourquoi il disait le peuple d'abord. Et ça, c'est très significatif. C'est l'amour du prochain. Le peuple d'abord, c'est l'amour du prochain. C'est la sociabilité. Voilà ce que ça signifie. C'est ça la quintessence, le peuple d'abord. Monsieur Marcel Mumba, avant de nous séparer, comme j'avais dit aux téléspectateurs, ce n'est pas même au cours d'un documentaire qu'on peut parler de toute la vie. Le cursus de Tien Tshisekedi, moi encore dans une émission de ce genre. C'est pourquoi nous vous avons promis de tirer l'essentiel de l'essentiel, mais sans négliger l'essentiel. Ça paraît peut-être compliqué, mais c'est ça. Mais, y égard à tout ce que nous avons dit et ce que nous n'avons pas dit, évidemment, où placer Tien Tshisekedi? Un héros? Un félicité? Un politicien extraordinaire ou tout simplement ordinaire? Merci pour la question. Moi, je crois que Étienne Tshisekedi a dépassé le panthéon de la vie sur Terre. Il a dépassé. Ça, ce n'est pas exagéré? Non, c'est vrai. Demandez, il est catholique. Demandez aux catholiques, ils vont vous dire que ce monsieur mérite plus que d'être héros. Héros est inférieur, par exemple, à être un félicité de Dieu. Un félicité, quand là, vous risquerez de demander qu'on le béatifie. Mais ça, c'est du domaine de l'Église. C'est l'Église, son Église, puisqu'il est un fervent catholique. C'est l'Église qui doit faire ça. Ce n'est pas en politique. Hein? Donc, on peut écarter ça. Mais l'Église peut faire ça. L'Église connaît son homme, hein, puisqu'il a grandi au sein de l'Église catholique et il est mort catholique. Donc c'est l'Église qui peut faire qu'il soit par exemple béatifié. Mais moi je dis qu'il a dépassé le panthéon de la vie sur terre. il mérite d'être... Dans la politique congolaise, il n'y a pas de saint. Hein? Non. Il y a aussi, nous avons aussi appris à boire et à manger sur son cursus. La sainteté en matière politique, c'est quand vous êtes pour le peuple. Quand vous êtes pour que le peuple soit mis à sa place. Quand le peuple, un saint c'est en théologie, un saint c'est en théologie catholique. Mais un héros, c'est en politique. Mais Étienne mérite les deux, puisqu'il était à la fois catholique, à la fois il fait la politique. Donc, remettons ça à l'Église catholique de faire son travail. Et en politique, on dit, vraiment, il a dépassé le panthéon de la vie politique. Il mérite d'être héros national, le vrai. Monsieur Marcel Mumba, le réalisateur me signale que nous avons posé l'État est parti. Mais on aimerait un peu savoir... Comment capitaliser toutes les valeurs,
toutes les actions politiques de Étienne Tshisekedi. Comment capitaliser ça? Après son enterrement, c'est fini, ça passe. Comme le Lumumba n'a pas de traces, à part l'histoire, peut-être le monument érigé au boulevard qui portait son nom, ça passe, c'est fini. Comment capitaliser ces acquis? Merci beaucoup. Ce que je peux dire là-dessus, c'est on peut faire comme le pays d'Europe le font. Vous avez des fondations, vous avez des organisations caritatives, mais on peut organiser la vie d'Étienne après sa mort autour des fondations, autour des œuvres caritatives pour aider les pauvres, pour aider la population, pour aider les étudiants qui n'ont pas les moyens d'étudier. Et je crois qu'Étienne possède une bibliothèque inouïe, une bibliothèque très riche. Mais on peut créer une bibliothèque, faire une, par exemple, fondation Étienne Tshisekedi. Mais le terme fondation est devenu trop populaire, on peut chercher autre chose. Tout policier a une fondation. Oui. Donc c'est à ce niveau-là. Maintenant, ça c'est une autre manche de pair. Il faut étudier, trouver un terme approprié pour que les biens, la richesse politique, la richesse scientifique puisse être utilisée à bon escient. Merci Monsieur Marcel Mumba pour votre disponibilité encore aujourd'hui. Sans doute Canal Futur aura encore besoin de vous pour d'autres questions. Pas seulement de Étienne Tshisekedi, sinon on risque de croire que nous sommes spécialistes à Étienne Tshisekedi. Sinon, nous vous remercions sincèrement de votre disponibilité et de matière que vous venez de donner au public et des Canal Futur Télévision et toute la population congolaise. Chers téléspectateurs, c'est à moi de vous remercier de votre aimable et sympathique attention à cette émission. C'est une émission citoyenne, c'est un échange où nous rétablissons l'histoire dans leur vérité et dans leur contexte. Si vous voulez nous retrouver, les coordonnées sont là, contactez-nous. Si vous avez de quoi ajouter sur ce que nous venons de dire, nous sommes disposés. Si vous avez aussi de quoi à contredire, nous sommes aussi disposés car c'est la vérité qui prime dans notre émission. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci à tout le monde et à tous, surtout vous, chers téléspectateurs. À la prochaine.